Bienvenue chers téléspectateurs kwa leo kama gisi mnavyoona vibambazi ambavyo viko nyuma yetu. Aujourd'hui nous allons découvrir cette entreprise dans la ville d'Uvira. C'est l'entreprise Doman Center. Nous allons savoir ça se charge de quoi, inafanya nini, inasaidia nini kwa mji wa Uvira. Na kupitia hiyo tutawapokea watumishi mbalimbali, tutamupokea pia DG ama directeur général wa entreprise yenyewe ambao watakuwa wakitufasiria kiwanda hiki kinahusika na nini. Petetre wengi wanaona magari zinapita, wengine wanaona sijui upango, sijui nini, na mlango inafungwa, hawajui ni nini inaendelea huko ndani. Alors tutaingia ndani na tuwajulishe nini ambayo inapitikana hapa, pia upate kujua kiwanda hii Doman Center ama entreprise hii inahusika na nini. Kwa hiyo na wakaribisha kuwa nami mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Mimi ni Pasina Chimusa Pardon, ninaye bwana Tresor Twali nyuma ya kamera. Mupendwa mtazamaji, kama tulivyo kujuza kwamba tuko katika hali ya kugundua kiwanda hiki ama kampuni Doman Center, tutampokea mhusika wa ndani hapa ili atueleze ni nini inapitikana hapa zaidi zaidi. Jambo na karibu. Jambo. Jambo. Unaweza kwanza kujitambulisha kwa majina? Bonjour tout le monde. Je réponds au nom de Laure Maboko. Je suis dans l'administration de l'entreprise Doman Center. Doman Center. Doman Center, en entendre parler, ça s'occupe de quoi? En entendre parler, Doman Center, c'est une entreprise de vente et location véhicules. Nous ne nous limitons pas là-bas car nous avons aussi des pièces détachées. Nous sommes spécialisés dans cela, des pièces détachées de Toyota. Nous sommes aussi des fournisseurs de semences et nous avons un service garage. Un service garage, donc ici. C'est lui qui est dans la ville d'Uvira et a besoin de l'usage d'un véhicule et qui n'en a pas, il peut venir louer ici. Quelles sont les conditions? Les conditions, c'est que la personne doit être fiable, car nous sommes des professionnels. Et tout le monde est la bienvenue, que ce soit une personne, individu ou des entreprises. Tout le monde est la bienvenue, surtout les ONG. Surtout les ONG. Y a-t-il un nombre limité de voitures que vous pouvez louer? Ou bien celui qui en a besoin, même 10, 20, peut venir chez Doman Center et en trouver? Bien sûr, nous sommes une entreprise qui date de 1998. Nous avons une grande expérience et nous avons beaucoup de véhicules à notre disposition. Si toute personne ou toute organisation a besoin de plus de 20 véhicules, Doman Center est en mesure de les fournir. Et vous êtes seulement dans la ville d'Uvira, n'est-ce pas? Pas seulement dans la ville d'Uvira, nous sommes dans 3 provinces. À commencer par Uvira, Kalemi et Goma. Uvira, Kalemi et Goma. Donc celui qui veut utiliser ou bien louer les véhicules en partance d'autres provinces, il n'est pas le bienvenu chez vous. Il est tout à fait le bienvenu. Doman Center est une entreprise qui a beaucoup d'annexes, je pourrais dire. Comme dans les années qui ont précédé, nous étions basés à Otuélé, nous étions basés dans beaucoup de provinces de la RDC. Cela dit, ça dépend des contrats que nous obtenons. Par exemple, comme vous venez de le dire, si une organisation a besoin de 20 véhicules, nous sommes en mesure de les fournir, et ce, dans le territoire de leur choix. Quels sont surtout les types ou bien les marques de véhicules que vous louez ici? Notre spécialisation sont les Land Cruiser Hardtop, 5 portiers et pick-up. Nous avons aussi à notre service de grandes voitures comme le GX, et oui, et des motos aussi. Des motos aussi, quelle marque? Nous avons surtout les motos de terrain pour les organisations qui aiment bien travailler dans les endroits reculés de la RDC, oui. Les prix plutôt restent votre secret de l'entreprise et il peut varier de temps en temps vu la conjoncture, mais la question est en train de partir. Qu'est-ce que vous avez pensé, à quoi vous avez pensé en créant cette entreprise qui peut aider les gens dans la location, au moins une location dans des formes requises peut-être par la loi et quoi? En quoi vous avez pensé?
Surtout en pensant de Domain Center, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est un centre où l'homme est formé. Nous formons seulement des gens, beaucoup de gens même. Et aussi, ce que nous voulons apporter, c'est que la RDC, de 1, nos routes, surtout dans ce secteur de Sud Kivu, nos routes sont très mal et sont en très mauvais état. Et donc, nous avons pensé à un service qui pouvait être mieux pour le peuple congolais, non seulement le peuple congolais, mais à toute autre personne qui voudrait bien traverser en sécurité sur nos rues qui sont mal ajustées. Donc, Domain Center, c'est une voiture d'abord de grands véhicules comme Land Cruiser. Donc, on comprend que de tout terrain, ils vont très bien traverser. Le but, c'est d'offrir un service de véhiculation en toute sécurité. Et en toute sécurité, vous nous avez parlé, je ne sais pas si nous allons évoluer toujours avec vous, vous nous avez parlé des entretiens et de quoi nous allons approfondir la question avec les services mécaniques. Mais est-ce que vous recevez au moins des véhicules étranges ici ou bien vous réparez seulement vos voitures destinées à la location ou bien à la vente? Nous recevons tout véhicule qui vient de l'extérieur, tout le monde est la bienvenue. Même des individus? Même des individus, même des organisations, tout le monde est la bienvenue. De plus que notre service garage est fait par des experts qui sont experts dans leur matière et qui sont diplômés pour cela. Est-ce que nous pouvons essayer un peu de visiter au moins les parcs automobiles pour que nos téléspectateurs puissent voir au moins, nous pouvons partir et visiter Ici, nous avons Nissan Patrol. Nissan Patrol, des véhicules présidentiels. Ah oui, bien, nous sommes de tout. Je vous ai dit qu'on ne se limite pas. C'est la diversité que nous offrons. Nous commençons par Nissan Patrol, une très belle véhicule en bon état. Ensuite, ici, nous avons GX. C'est aussi une voiture pour les gens prestigieux, pour toute personne qui voudrait le louer en centre-ville. Et des Lix, voiture des Lix alors. Ah oui, bien sûr. Ou même pour tout le monde qui voudrait le louer sur le terrain, c'est une voiture de tout terrain. Ça va. Nous pouvons un peu descendre. Nous voyons une voiture ici sous tréteau. Bien si ça s'appelle comment ça, Jack ou quoi? C'est en pleine réparation. Cette voiture, non, pas totalement en pleine réparation. Nous changeons le pneu pour que la voiture ait des nouveaux pneus. Donc ça, c'est le Jex qui est simplement là pour le nouveau pneu. Ça va. Ici, nous voyons avec des logos Oxfam. Qu'est-ce que ça fait ici? Oxfam garde ses voitures ici. En fait, la voiture Oxfam est ici pour une entretenance dans notre garage. Oui, nous leur offrons notre service et ils sont venus là. Et leur voiture est en pleine réparation et sera bientôt finie. Oui, merci Laure Maboko pour vous. Nous allons nous limiter ici avec vous tout en revenant sur vous si nous aurons encore besoin de vous. Et nous allons prendre peut-être celui qui est chargé des pièces automobiles pour qu'il nous fasse découvrir aussi les garages ou bien les dépôts. Ou bien l'autopièce, si nous pouvons nous permettre. Nous ne sommes pas trop mécaniques. Ça va? Merci Laure. Oui, je vous en prie. Au revoir. Nous recevons sur notre caméra Monsieur Bruno. Bruno, il va se présenter et nous dire s'il est chargé de quoi. Bienvenue, Monsieur Bruno.
Fidèle téléspectateur de la télévision Shahidi, comme tu l'as dit, tu condamnes un magasin. Nous sommes à l'intérieur du magasin, des domaines centers où sont gardées les pièces. Peut-être celui qui est chargé va nous expliquer la spécialité des pièces qu'on peut trouver ici, monsieur Bruno. Bon, vous pouvez trouver des pièces surtout de Toyota, comme je vous ai expliqué. Et si vous avez bien remarqué, comme Laure vous a présenté. Nous avons plusieurs articles comme des plaquettes de frein. Voyons même des alternateurs. Oui, nous avons des alternateurs et nous ne limitons pas par là. Nous avons aussi des boîtes de vitesse. Nous avons plusieurs articles ici, notamment des filtres à air, notamment des plaquettes de frein, notamment Même des pompes, des filtres. Nous avons tout ce qui est pièces automobiles. Et la question de curiosité, ces pièces sont seulement pour vous ou bien celui qui a la panne sur son véhicule peut venir passer commande ici et obtenir la pièce? Bien sûr, tout homme est le bienvenu ici chez nous. Nous recevons plusieurs véhicules, notamment Oxfam qui est là, et ainsi de suite. Et donc, celui qui a la panne et celui qui veut changer la pièce peut venir avec sa voiture ici même. Il achète la pièce et que la pièce est mise sur sa voiture et il rentre avec sa voiture ici, n'est-ce pas? En tout cas, si jamais il a une panne, il est la bienvenue ici et il ne va jamais le regretter vu que nous avons des meilleurs services ici. Merci beaucoup. Et c'est là, les services mécaniques, c'est seulement ici à Uvira, parce que Laure nous a fait découvrir que vous avez des véhicules dans trois provinces et que vous fassiez la location dans toute la République. Donc si le véhicule est à Kalemi et il tombe en panne à Kalemi, il est obligé de venir à Uvira pour être réparé, n'est-ce pas? Bon, non, vu que nous avons aussi un shop qui se trouve à Kalemi, qui est notamment aussi géré par moi, mais notamment que je suis là, mais je gère ça à distance parce que j'ai un de mes camarades qui se trouve là-bas, donc on communique avec lui. Bon, à chaque jour, nous échangeons. Et si jamais il y a des pannes là-bas, ça s'est fait là-bas, vu qu'on a aussi des mécaniciens là-bas. Vu que Laure vous les a expliqué, nous avons des mécaniciens là-bas et nous avons des mécaniciens ici. Et si jamais il y a une pièce qui n'est pas disponible là-bas, il y a le bateau Amani qui se trouve ici tout près et on l'expédie direct. Il se trouve là-bas. Donc, vous avez un service mécanique ou un garage mécanique là-bas et vous avez encore un magasin auto de conservation ou bien de vente de pièces à Kalemi. Oui, nous avons tout cela. Bruno, nous allons vous quitter et chercher l'un des services mécaniques pour qu'il puisse au moins nous éclaircir sur les services mécaniques que domine Saint-Aran. Merci beaucoup de nous avoir accueillis dans votre magasin, Bruno. Merci beaucoup à vous aussi. Ndio mpendo mtazamaji kwamba tulivyo kujuza kwamba hapa pia kuna garage mekaniki ambao tunamupokea. Bwana ambaye atajitambulisha. Jambo ndugu. Jambo sana. Unaweza kutambulisha kwa majina? Ni Ilunga Nyembo. Unafanya kazi gani hapa? Niko mekanisti. Na ni nini mnafanya zaidi hapa kama kazi ya mekaniki? Hapa tunatengeneza gari ma Land Cruiser 4x4. Doman Center. Ndiyo. Unapokea pia zingine magari kutoka nje? Ndiyo, tunapokea na Land Cruiser kutoka nje ma kampuni mbalimbali. Na ni mapane gani ambazo mnarepare hapa zote ama kuna zile ambazo zenye hamugusi hapa? Tunarepare zote hapa. Tuliona pia wako wanapakala maraba, wanapuliza rangi kwa magari, sijui nini. Mnahusika na hiyo mambo? Ndiyo, hapa bana deboselia. Bana puliza rangi hapa. Kudeboselia njo nini kwa wale ambao wazoe mate? Kunyorosha magari. Kama ilianguka ikapondeka. Angusha bana nyorosha. Na kwa hiyo inakamata muda mrefu sana? Bo, inakamata kama sadepa na eta ya gari gisi likuwe. Na hapa we ni chef wa service mekaniki? Ndiyo, mimi ndio chef de garage.
Mugaraji yako unaweza kuwa sawa na bafundi ngapi wanakusaidia kufanya hiyo kazi? Hapa tuko na bafundi mingi, ba ma service mbalimbali. Kila watu wanahusika na kitengo. Na tunasikia kama mapane ya gari banasema pia kama ma electricity automobile sijui nini. Hiyo yote mnavifanya hapa? Ndio, yote inafanyika hapa. Tunakushukuru. Ndio, merci.